Ce matin, la tribu blanche se réveille avec un goût amer. Bah, ta mère. Putain, c'est quoi ce bordel? Regardez ça. Ce serait bien qu'on vote au mérite maintenant. Alors on a viré Vincent et Yacine. Ah dis, moi je dors pas très bien depuis qu'on a fait ça. Hein. Alors on a éliminé l'effort. Ouais mais bon, on a viré ceux qui savaient faire des trucs. Regarde Sandro, lui son truc c'est de vendre des bagnoles. Bah il sert à rien alors. Eh les deux seuls qui bossaient ici, on les a virés. Ah là je suis désolé mais chaque aventurier a son utilité. Ouais bouffer et dormir ça compte pas hein. T'as fait quoi d'autre? Me rappelle pas. Ah tu crois qu'il y a du manioc là? Ah putain d'expert, on sait même pas à quoi ça ressemble. Ah putain, on va pas retourner au camp les mains vides, on aura trop l'air con. On aurait peut-être pas dû virer Vincent et Yacine. Ah, les faibles ils votent contre les forts, ça a toujours été comme ça. Après il reste plus que les faibles. Bonjour la super tribu blanche. Ouais, finalement t'as raison. On a fait les cons. Hé, hey, à boire! J'ai trouvé à boire! Alors, c'est quoi la charade du jour? La véracité de ma voracité se véracité quand les véracités auront montré leur efficacité. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est la merde. De toute façon, il reste plus que les nuls, donc quelle que soit cette épreuve, on y va. Et puis on verra. Moi, me prenez pas, j'ai pas faim, prenez-moi avec vous. Ouais, comme ça, je suis clair avec tout le monde avec ma stratégie, hein. Je suis à 70-30 avec eux. Pâtissier, pâtissière, bonjour à tous. Installez-vous devant vos assiettes. Alors, vous allez manger une bestiole. Ah, oh, je peux pas, c'est trop dur. Hey, relève-toi, c'est qu'une mouche. Eh bah putain, mais c'est qu'une grosse mouche, hein. Mais il va falloir la bouffer si vous voulez gagner l'épreuve de confort. C'est quoi la récompense, Denis? Ah, c'est quelque chose dont vous avez tous vachement besoin. Ah, c'est de la bouffe. Du poulet, c'est peut-être du sexe? Ouais, je voudrais une tartine de pâté. Ah, mais pour ça, il va falloir être bon. Ouais, bah il reste plus qu'à nul. Prêt à dégueuler? Go! Ah, dépêche-toi, t'en as déjà bouffé deux. Tu aimes manger épicé? Enfin, je parle des épices, hein, pas manger et faire pipi. Oh, mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais arrête, c'est déjà assez dégueulasse comme ça. Oh, chouette, des yeux. J'adore ça, ça tombe bien. Bon, tu te dépêches de manger ton entrée. Pense à autre chose, pense à un truc sympa, pense à Ada sur la plage. Oh, putain, non. Ah, c'est vrai qu'elle faisait beaucoup caca. Oh, putain, mais arrête de parler. Ah, la victoire pour Sandro et Claire. Youpi. Ouais. Bon, Sandro, expliquez-vous, vous avez été stratège. Ah, j'ai été très clair avec tout le monde à ce sujet. Qui avait pas compris? Bon, ok, a priori, personne n'avait saisi. Je pense que vous l'emporterez pas au paradis. Bon, bah, barrez-vous, il y a un endroit charmant qui vous attend. Au revoir, Denis. Bon, maintenant qu'ils sont partis, parlons franco. Ah, Sandro, il a fait semblant de pas manger. Vous étiez pas au courant? Bah, il va déguster maintenant. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Et vraiment désolé, mais sur cette épreuve, y a pas eu de boule. Je suis désolé, mais du coup, je pourrais pas vous dire ma petite chanson. Sébastien, vous aimeriez nous chanter le premier couplet? Ah, Kelly? Touche-moi les pralines du vendredi soir. Mais où sont les boulettes? Elles sont dans le tiroir. Ah, ah. Et vous me cassez souvent les noix. Mais allez-y, mettez les doigts. Ah, c'était magnifique, vous êtes vraiment bourré de talent. Moi aussi, je peux la chanter si tu veux. Non, j'en ai plein le cul maintenant. Alors, vous retournez d'où vous venez, vous connaissez le chemin. Au revoir, Denis. Ah, dis donc, je sais pas où on va comme ça, mais j'ai hâte de connaître la récompense. Regarde ces enfants, ils ont pas de bouée de sauvetage. Et nous, on a pas d'airbag? Attends, mais ils nous amènent à l'école là. Putain, c'est génial, j'ai jamais foutu les pieds. Allez, toi, venir travailler, sinon toi, finir aux anges de la télé-réalité. Hi, vous sentez mauvais? Bah, la prof, dès qu'elle est arrivée, elle nous a mis la misère dans cette jeu. Bon, les enfants, aujourd'hui, on va apprendre la notion de respect. Alors, un exemple très simple, quand vous avez un copain ou une copine qui vous aide, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'aidez ou est-ce que vous le trahissez? On va l'aider, madame. On va l'aider. Et bah, vous voyez les deux là-bas au fond, ils avaient deux grands copains qui les ont beaucoup aidés et eux, ils les ont éliminés. Attends, c'est pas si simple. Faut, c'est, au 70-30, je vais l'aider, mais quand même. Ouh, pas bien. C'est pas beau. Hi, ils sont trop mignons. Je suis désolé, je recommencerai plus. J'espère que tu seras éliminé. Eh bien, quelle récompense? On a hâte de retourner sur le camp. Wow, ça sent la marée sur cette plage. Ah ouais, non, c'est moi. Bah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dans cette caisse, vous trouverez de la bouffe et du courrier, mais vous ne pourrez en prendre que 70-30 de votre choix. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les noix de cajou? Non mais arrête, on peut pas faire ça, Coco. Ah bon? Y'a des noix de coco? Mais non, c'est toi, Coco. Eh bien, on a décidé de prendre tout le courrier rien que pour nous. Comme Sandro et Claire, ils ont eu droit à un confort, eh bien, ils auront droit à rien cette fois-ci. Par contre, j'ai beau chercher, je ne vois pas de noix de coco. Ah mais attends, tu le fais exprès? Coco, Corentin, y a pas de lien qui te vienne à l'esprit quand je dis noix de coco? Ça y est, j'ai compris. Elle me parle de ses boobs. Ah ça y est, j'ai pigé pour noix de coco. Ah ben quand même. Ah, il a fait une drôle de tête quand je lui ai dit que j'aimais en boire le lait. Ouais, mais c'est sympa cette escapade. Ça permet de se connaître un peu mieux. Ah tu sais, t'es bizarre comme fille quand même. Hein. Mais bah putain, quelle récompense. Et ils nous ont défoncé les gamins. Hey, salut les amis. Oula, ils ont pas l'air joyeux de nous revoir. Mais regardez, le facteur est passé. Mais il veut pas de courrier pour vous. Oh, on veut notre courrier. Non, tu l'auras pas, sale stratège. Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est notre vengeance sur toi, gros stratège. Tu l'as bien mérité. Et tiens d'ailleurs, je vais lire mon courrier devant toi. Tiens, regarde comme je pleure et comme je suis malheureux. T'es jaloux, hein? Voilà, moi j'ai ce putain de courrier qui me fait souffrir et pas toi. Ah, attendez, c'est pas sympa, j'ai été stratège, mais attends, moi aussi j'ai le droit de souffrir. Et Claire aussi, elle y est pour rien, elle. Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Alors, le riz, tu le mets dans le petit pot. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met dans le grand pot? Parce que tout le riz va pas dans le petit pot. Si je mets tout, ça déborde. Tu sais, il y en a tellement qui ont abandonné, je me suis dit, il faut prendre le taureau par les cornes. T'as raison, il y en a trop qui tombent dans les pommes. Allez, trop belle notre civière. Ouais, à chaque problème, sa solution. Tu l'as dit, avec ça, il y aura plus d'abandon. Mais bon, la civière, on la met où? À l'hôpital imaginaire? Elle sert à rien au final.
Vous l'aurez bien compris, c'est une équipe réunifiée mais bien divisée qui se présente à moi ce soir. Ah, divisée, pas trop, c'est surtout qu'on est très mauvais. Vous en pensez quoi, vous? Pas si mauvais, on a fait un prototype de civière. Et notre charmante mandarine. Qu'en pensez-vous? Alors, on peut mettre 5 petits pots dans un grand pot. Eh, vous êtes bizarre comme fille. Ouais, mais encore, Denis, elle, ça va. Il y en a une, je te raconte pas ce qu'elle fait avec ses boobs. Bon, Sandro, pas la peine de faire de vote, vous venez directement à côté de moi. Bon, Sandro, vous avez un collier d'immunité, à qui vous voulez le donner? Ah, sans hésiter, à ma bonne copine mandarine. Tiens, ami de moi, et lâche pas le morceau avec les petits pots, t'es sur la bonne voie. Bon, maintenant tu dégages. Non mais Sandro, t'es complètement idiot, hein. Je suis pas ton ami, moi. Moi, je suis là uniquement pour résoudre l'énigme du riz. Je vais t'expliquer parce que tu captes rien, mais il y a deux pots, il y a un grand pot et un petit pot. Dans le grand pot, il y a 70% d'air et 30% de riz. Et dans le petit pot, c'est l'inverse. Et encore, elle est bien, elle boit pas son lait.